Salut. Pardon si l'image est mauvaise, c'est bizarre qu'on puisse pas avoir une bonne image. C'est bizarre que les matins il y a une tondeuse qui vient nous pourrir la vie. C'est bizarre. Je sais pas si vous vous rappelez cette série télé il y a longtemps, enfin tous les jeunes ne l'avaient pas vue, s'appelait Les Envahisseurs. David Vincent était un homme qui était le seul à savoir avoir vu une soucoupe volante atterrir dans un champ, une nuit où il cherchait à... il était fatigué, il cherchait un raccourci qui jamais ne les trouva. Et donc il fallait lui prévenir qu'il y avait des soucoupes volantes et tout, il fallait prévenir le monde incrédule. Et quand il allait voir un médecin, le médecin n'écoutait pas, il prescrivait des médicaments, enfin c'était la version perso. Personne ne voulait l'entendre. Les gens étaient angoissés et tout. Vous êtes angoissés, mais prenez un médicament. C'est une version perso. Et en fait, vous faisiez tout le monde court, etc., en fumant, en téléphonant. On a dit, mais il y a un problème. Non, il a une attitude à son téléphone, quoi. Bon, c'est vraiment typique, perso. Tant mieux, c'est pas tourner l'économie, Romain. Donc là, il fait beau. Et moi qui me disais, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de vidéo sur le sur l'appareil photo, parce que maintenant on peut prendre une vidéo simplement sur YouTube. Je suis allé sur l'appareil photo et j'ai vu qu'il y avait planqué dans un coin la vidéo. Donc après un mois de prise de tête, assis sur mon cul, je vais retrouver la vidéo. Étonnant, non? Par contre, si elle utilise les montages, il faudra faire avec un nouveau parce que Filmmaker ne marche plus sur YouTube. C'est un peu comme la pomme, elle t'apporte des solutions. Finalement, si je te tue, t'as cherché pendant un mois ta solution. Et elle était là.